potes, du coup aujourd'hui on se retrouve avec Valou Salut. et Madame qui est là à côté pour gérer les recs. Mais vous l'entendrez pas du coup parce que sinon ça va faire un écho, ça va faire bizarre. À moins qu'elle parle et qu'on l'entende dans mon micro. Mais sinon, vous ne l'entendrez pas. Ensuite, alors, elle est juste là. Alors Valou lui va préparer une ration. Une sub pour les veaux, comme ça on sera tranquille. Faire que ça avec les veaux, c'est chiant, ça sera fait. Et moi je vais aller semer un couvert en attendant sur les parcelles où il n'y a rien dessus, donc on va aller semer des radis. Un peu mal, parce que, ça. Et pourquoi ça me dit semence dans le truc? Pourquoi sélectionner une semence? Pas bizarre. Ah si, c'est un peu. Donc là on va aller semer. Ah moi quand ça me de l'herbe. Ben si, oui je suis plus. Je suis débile, je vais laisser de l'herbe. Autant faire de l'herbe, comme ça, ça va faire un peu de foin, un peu de tout ça, donc ça va tout seul. Bah, de l'arcilage. Voilà, de la rubane. Bah, ouais, pour faire les deux, on va rubaner pour revendre, du foin pour stocker. On a plus grand chose. Ouais, non, enfin, il y a presque plein. Bah, c'est tout seul, donc si on pouvait stocker ça, ça serait pas mal. Donc, bon, bah, du coup, là, ce que je fais, c'est que je laisse mettre de l'herbe. Dans les 4 parcelles qui restent, les 3 qui sont toutes petites, donc on va se faire assez vite. Après, on accélère un peu le temps, je pense. Donc, limite à la fin, il faut t'affiner la mélangeuse vite dans les vaches, s'il y a encore un peu de place. Ouais. Et à repréparer une mélangeuse, comme ça, on sera tranquille. On aura ça d'avance. Et les veaux aussi? Ouais, bah tu là, c'est pour les veaux que tu faisais la mélangeuse. Ouais. Bah là ouais. Tu fais les veaux comme d'hab, enfin comme t'avais prévu, et après t'en refais une, comme ça on sera tranquille, si on accélère le temps, on sera pas pris à dépourvu. Hop, donc accélérer et on se retrouve pour la vente du colza. I'm
Bon, du coup, on se retrouve pour aller revendre enfin ce colza. Il est temps. Il est temps. Attends, va une bouche pour que j'arrive. Je passe devant. Bah, je suis même pas dans le tracteur. Et bah, bravo. Hop, c'est bon. On s'en y va de Ben, on va gagner du temps pour les voyages. On va les faire ensemble. Ça ira plus vite. Oui, ben oui. Et puis, on va les faire en vidéo, comme ça, vous voyez combien je gagne exactement. Puis, on va voir un peu aussi ce qu'on va pouvoir placer. D'ailleurs, il va peut-être falloir qu'on désactive le mode qui va automatiquement l'aise si on veut le récupérer pour le transformer. Ouais. Ça va peut-être pas mal. Ah. Mais Jérôme, attends plus, ça veut. Voilà. Non, mais tiens, RP, c'est très RP. Mais ce virage, je n'arrive jamais à le prendre, c'est un truc de ouf. Il y a mis des Jérômes. Ah là là, le délinquant. C'est eux qu'on va vider là. Alors là, on va la cop. Il est cher ou pas le colza? Il est à 2200 la tonne. Ouais. Ouais, donc ça va. Ouais, ben là on va se mettre bien. On va se mettre bien, je pense. On va pouvoir investir dans ce qu'on voulait investir. Déjà, on pourrait pratiquement payer l'usine. Donc ça, c'est cool. Ouais, et peut-être mettre. Et aussi, on devait faire, tu sais, derrière le bâtiment. Il y avait une nouvelle. Enfin, on avait créé. Ah oui, bah pour mettre enfin le truc pour transformer le lait là. Oui, oui, voilà. Ah, la fromagerie. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, il va falloir qu'on voit ça. Bon, genre, on pourrait la placer. Ça, ouais, cool. Bah attends. Je vide ma benne et après on peut la placer. Si non, bah attends, il y en a encore aussi l'eau à vendre. Il y a l'emprunt aussi à rembourser. Ah oui, c'est vrai. Et il y a. Attends. Il y a 500 000 euros d'emprunt à rembourser. Faut qu'on place l'usine. Bah, t'as de quoi placer là, non? Oui, là, on a de quoi placer. Et mais que... t'inquiète, on vend tout déjà. Comme ça, on voit combien on a. Okay. Et puis après, on verra pour l'emprunt le baisser un petit peu. Ok. Hop. C'est pas évident, c'est 3. Puis on verra peut-être pour acheter un peu de 3 de plus. Si on peut. Si on a de l'argent. Ouais, bah oui. Peut-être pas rembourser l'emprunt complet, c'est gagner un peu d'argent. Comment la production. Peut-être rembourser 200 000 euros, peut-être 200 ou 300. Bah ouais, on essaie de rembourser le maximum possible, comme ça on paye le moins d'intérêt possible aussi en accélérant le temps. Parce que là on paye 500, bon encore c'est pas énorme, on paye 500 d'intérêt. Oui, ça va encore, mais bon après au fur et à mesure ça va. Et finalement après il nous a coûté beaucoup plus possible. Oh oui, mais il y a beaucoup de voyages à faire en fait. On va s'amuser. Ah oui. De toute façon, on va décorer et tout. Faut qu'on essaie de replacer un bâtiment aussi pour le stockage. Mais avance. Je peux pas. Tellement t'es plein là. Non. Là, je suis plein. Attends-moi hein, pour vider. Ah non, à moins que tu vas. Oui, mais sinon, si tu vas, on va se croiser. Ouais, ouais bah vas-y, c'est le mieux. Non, mais je t'attends sur la route. Ah, trop tard. Je t'attends pas, moi. Bon, je vais tuer de vite plein, attends. Ouais, c'est la benne fumier. On s'attend pas trop. Tu sais, on s'attend pas trop, tu vois. Le temps que je vis, tout a le temps d'arriver, après, t'auras pas de vider. Ainsi de suite. Pour ça, tu connais la route. Non. Ouais, je déconne. On se fait capable. Toujours faire des blagues aux copains. On se fait capable, t'as fait capable. Alors. Tu. Pardon. Pense un petit combien au total? 700. 700 000? Ouais. Je sais quoi, j'irai un petit 400 000. Il va y rester. On aura pensé oui, il reste plein dans la. Il reste plein. Oui, c'est ça, il reste plein aussi. Là. Je sais pas, il nous reste combien de voyages encore à peu près? On va regarder voir vite fait. Ah oui, ouais, il reste 200 000 litres, ouais, il reste au moins deux voyages, plus de deux voyages même. Oh oui, oui, ouais, t'es peut-être pas loin de la vérité. Hein. Bon, en vrai, si c'est ça, tant mieux. Hein. On rembourse l'emprunt. Hein. On est tranquille avec ça. On verra bien, on verra bien. On va investir sur ce site. Là, on est bien à 350, ouais, presque. À 200, 300. Ouais, ça va vite.
limite. Et je voulais racheter un champ aussi, donc. Ah bah j'ai déjà racheté. Ah oui, j'ai acheté dans l'épisode précédent, enfin fin de l'épisode. Oh bah putain, non, j'ai fait pas Quand plus. j'étais pas là. Ouais. Ok, bah il y a un passage d'herbicide à faire sur les blés, donc ça va être impeccable. Qu'est-ce que je pense? Ça tape pas un petit peu, mais ça passe. Ça fait 59. Oui, voilà, c'est ça. Il s'est perdu sur Et le non. perdre. On va le perdre. Je suis sur le pont. Ah, il va. En train de faire la vidange. Il freine pas le Fendt. Non, il a beaucoup de frein. De toute façon, on va les changer. Faut changer, on va prendre Valtra. Bah, on va si on peut. Peut-être pas changer tout de suite les fracteurs, mais pour la suite, d'ici un ou deux épisodes, ça serait pas mal de les changer. Donc, il a combien d'heures le Fendt? Tu m'amènes 7 kg maintenant. 24. Je pense qu'à 50 heures, faudrait qu'on les change. 50, ouais, 50. 50, ça serait pas mal, parce que bon, après, on va pas faire comme dans la vraie vie sur Farming, sinon, si on attend 1200 heures. Voilà. Un peu long. La Ouais, série non. sera déjà finie que le tracteur il a même pas encore les heures. Ouais, c'est ça. Puis on va passer plus de temps à réparer qu'à travailler avec, donc ça ne prend pas grand chose. Bon, ouais, non, on va attendre un petit peu. Bon, alors, bon, ça fait aussi longtemps que j'ai fait le break. Ah bon, ça. Hop, allez. Et 5e bend de quoi, ça va. Et il en reste 144 000 litres. Ah, ouais. Ah oui, il en reste quand même à faire. Je pense Il en pas qu'il en reste plus. reste autant. Peut-être on a pas la possession. Ah non, ça va peut-être un peu mieux par ici. Par l'onde t'es passé, non? Oui, regarde. Hop, là tu vides ici. Et après tu repars tout droit. C'est Bon, pas con. on fait pas le RP, on va pas sur la peseuse. Enfin là. La balance. Truc pour peser. Oui, la Ah balance. non, C'est calculé des tuyaux. On j'ai pourrait inventé prendre. un mot, la peseuse. T'as pas. Ouais. Bon, du coup, comment on. Je suis en train de réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tout ça. Si on pouvait rembourser la part, ça serait top. J'ai un peu écrasé les betteraves. Je trouve que c'est pas les miennes, je crois que Si, t'es dans le champ 8. la fou, il va falloir les retourner les bêtes. Si, parce que vu que je peux les écraser, c'est à nous. Oui, c'est à nous, mais je vais pas les récolter, donc on va foutre. Ah bon? Pour les vaches, non? Bah non, pourquoi? J'ai pas mis le mode. Merde. Là, il y a un mode qui permet de faire du truc avec les betteraves, mais j'ai pas. Bon, On est faire. beaucoup bonjour dans la vidéo. Hein. Ouais, on se croise beaucoup. Et là, on se croise à deux, quelque chose. Ah, c'est mort, ça passera Il pas. va falloir élargir un peu les routes. Non, ça me vient comme ça. Non, c'est trop bien comme ça. D'ailleurs, oui, tiens, tant que j'y pense, les deux villages de la map, ils sont pas de nom. Donc on leur trouve un nom. Donc les abonnés, je vous laisse proposer en commentaire des noms de villages. Valouville et Crazyville. Alors, on a trouvé. Ah Je non, sais. Valou village. Crazy village. Je sais Voilà, on a pas, mais. trouvé. Proposez en commentaire en vrai et on verra bien. Vous pouvez proposer les idées que vous venez de proposer. Et puis Non, comme mais ça on verra. Et ça j'en sera ferai la propre. map avec des noms de villages. Parce que bon bah. Non, ce panneau à l'entrée de la ville, c'est marqué village. Je pense que c'est que ça verra. Non, je suis pas sûr. C'est qu'il y a une Alexis, il a ville. chié dans la colle. Hein. Alexis, il a chié dans la colle, mais c'est pas grave, ça je peux modifier. C'est C'est mort. rien, Alex, si on t'en veut pas. Oh, je sais pas si elle va la vidéo, Alexis. Et Bof. là, comme par hasard, il va regarder celle-là. T'as pas chié dans la gueule. Eh, on a bien. Il en reste beaucoup pour. Ah oui, bah oui, il reste pas mal de. Bah, il reste encore un voyage. Oh là là, le tournant, il m'énerve. Elle m'énerve aussi, puis je suis malade, alors ça, c'est bien.
De toute façon, on est tous en remue. C'est aberrant. Ah bon? Il fallait qu'il tourne de là au lieu de continuer tout droit. De la voie de faire chier, c'est tout. Bah oui, bah je me doute bien, hein, t'inquiète pas. J'ai fait un petit arrêt au stand pour qu'on se croise après. Ouais, bah je vais te faire chier aussi, là, tu vois. Et tu verras. Non. Je viens plus. Putain, il a pas de frein, le Fendt. Non, pas des ménages, en fait, moi je te dis. Je vais faire tout le tour de la map. Et c'est fait, ce qu'on doit faire. Allez, 600 000 euros. Tu vois, je te l'avais dit, 700 000. Ouais, ouais, il s'est pas trompé. C'est pas trop ça. Je sais pas, il reste combien dans les trucs. Mais... Bah là, il reste 53 000. Donc, moi, sachant que je mets 36 000 quand tu vas un peu moins. Ouais, moi, je vais mettre, je sais pas, 24. Il y a encore deux voyages à faire. Et ça en fait quand même. Bon, on va pas rester encore comme ça pendant 15 ans. Ce que je fais, c'est que je fais un cut et on se retrouve une fois qu'on est fini. Donc là, je fais un cut, je suis pas l'accélérer parce que là, c'est pas grave. Et voilà. Ah, j'aurais on se retrouve quand il y a un accident. fait le cut juste avant le pont. Bref, petit cut, on se retrouve une fois qu'on est fini pendant le cut. Bon, du coup, on se retrouve pour la dernière benne. Et il est déjà prêt. Oulah, mon Dieu. Petit caillou comme ça qui m'arrête. Voilà. Hop. Dernière benne. On est déjà à 730 000 euros, donc on devrait taper pratiquement le 800 000, je pense. Attention, reveal. Voilà. J'espère. Oula, oula, il y a une collision. Tu me dis dès que t'as. Tu me dis dès que t'as presque vidé. Je sais plus si j'ai le J'ai presque vidé là. On était presque 814 000 euros. Bah, Ah, c'est c'est nickel. incroyable. C'est pas mal. On va pouvoir aller placer ce qu'on voulait placer. Donc. Et rembourser l'emprunt. Et Enfin, ça te. rembourser. L'air va pouvoir bien accrocher. Bon, du Vas-y, coup, reprends. je disais. Je sais même plus parce que j'ai perdu en plus. Oh, de toute façon, il n'y a rien qui me reste de vidéo. Enfin, ça va bien dans le jeu, mais ça va pas à la maison. Et ça borne. C'est un truc de ouf. Voilà, je sais plus. Donc, bref, je ramène ça à la ferme. On verra ce qu'on fait. Quand il y aura des trucs à faire, de toute façon il y a de la piscine en futur réglé. Je crois qu'elles sont prêtes. C'est Hop. bon, je l'ai trouvé. Elle coûte 80 000 euros. Ouais, c'est ça. C'est en bois? Ouais, c'est une machine en bois. Alors. Avec un toit rouge. Logiquement, c'est ça. Chicken poop. Okay. Tu mets de la paille dedans, ça produit du fumier? D'accord. Oh, je sais pas qu'on avait ça. Je sais même pas qu'on avait ça, une usine comme ça, d'accord. J'ai des modes, je sais. Moi, bon, j'ai des modes. Bon, du coup, bref, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de placer l'usine un peu comme ça. Ah, faut acheter une cuve aussi pour amener le lait. Du temps qu'elle a. Parce que je sais pas si on peut le mettre en distribution, non je crois pas. Non on peut pas. Ah, logiquement on peut pas. Bon bref. La usine. Hop. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est bien placée là comme ça. Ouais, c'est celle-ci que j'ai vue en plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que. Bah ce qu'on va faire. Aussi je Oh, tu pense. peux remettre. Oh, tu peux rentrer dedans. Et on peut rentrer dedans, je vais venir là-bas. Hop, là j'aménage un petit peu. Toc. Ça. Je me dis, on va mettre quelques arbres derrière et tout. Et on va aménager un peu aussi le devant, tout ça. Donc on va faire un espèce d'endroit de vente directe. Bon, Bonjour, vous voulez du fromage? ici on peut y aller ou pas? Non, non, on peut pas y aller. Et Oh, là non c'est plus. bon. Merde. Et là non plus. Bah, c'est Bref, c'est bien. pas grave. Du coup, ce que je vais faire, c'est que accélérer de la décoration de tout ça, et on se retrouve pour voir un peu ce que ça va donner.
Bon, du coup, là ça devrait être bon de notre côté. On est plutôt pas trop mal. J'aime bien le petit coin. Donc, bon, on ouvrira hein, tout ça. Bon, et puis, on ira emmener le lait. D'ailleurs, parlons de lait. Je vais acheter quelque chose pour le transporter d'un point A à un point B. Ça pourrait déjà être utile. C'est dans quoi ça? Est-ce que je pourrais avoir une cuve à lait? Facile à manier. Vos essieux. Pas trop mal, c'est pas déconnant. Va partir sur ça, je crois. Va partir sur ça. 30 000 balles quand même. Ah oui. Ah. Oui. Hop. Allez. Ça c'est fait. Oh non, il est il. Consultez bien. Oh là, il est livré. Oh. Ah là. Bon, impeccable. Hop. On va ranger la benne. Oula. La radio. On va le tirer. On va le faire avec lui. Donc, je range la benne. Je sais pas, on a combien de prix. Le lait, le lait, le lait, pas grand chose, il est vite. Ça produit toute la journée, les vaches. Faut qu'on enlève le mec qui revient. De toute façon, on voit pas que c'est un peu comme moi. J'ai un petit truc à faire, moi, vite fait. Hop, oula, oula, je trouve pas de problème. Toc, toc. Je sais pas si on m'entend bien, j'ai reculé un peu dans le micro. On verra bien le menu. Toc toc. Là, on va se prendre. Là. Hop. Une. Allez. On va aller prendre un hydraulique arrière. Un peu comme ça. Ici, que dalle. Ouais. Le lait, on prend. Non, le lait, on prend ici. Allez voir. Ouais, c'est bon. Hop, donc la cuve, allez, elle va aller là. Donc, on a bien pensé. Je pense à l'électrique de mode en réactivité. Enfin, on va l'accélérer le temps. Ensuite, je vais prendre d'autres outils. On n'a pas de décompacteur, mais ça va être bon. Aussi sur le semi, non? Sur le semoir? Non, il n'y a que la herse. Ah, ah, si, il est là-haut. Voilà. Ah, tiens, on en a un, c'est juste moi qui s'est bougé. Hop! Oh, d'ailleurs, il y a des contracteurs au dessus, ce passage. L'entrée est large. L'entrée sera large. Hop! Ouais, ça, c'est cool parce que le lait, bah, on va passer un peu plus d'argent avec que de leur vendre au brut. Donc, ça rapporte que dalle. Ça sera près d'un pauvre. Donc, on se passera rien. Hop! Donc là, je vais faire ce que j'ai dit que je ferais dans le dernier épisode. Hop! Toc! On va aller créer pour agrandir un champ. Il faut un semer aussi. Et il faut faire passer un coup d'herbicide sur la parcelle de blé. Je crois qu'il y en a beaucoup plus de mauvaises herbes. Je vais revérifier. Je vais revérifier ça. Voilà. Ouais, il y en a dans tous les champs. Ça s'est réglé. Les parcelles d'herbe. Pour l'instant, c'est bien. La fois, j'ai dans la parcelle 8. Hop, malade. Comme ça. Bon, bref, accélérer tout ça. Et on se trouve une fois qu'on a fini l'herbicide. On va finir là.
Du coup, on se retrouve pour finir cette vidéo et on va pas la finir n'importe comment. On va acheter du matériel. Donc, pour commencer, un semoir à maïs. Non, pas dans les semoirs, dans les planteuses. Alors, j'en ai ajouté quelques-uns. C'est celui-là qui m'intéresse. Alors, 45 000 euros. Ça pique, mais ça nous évitera de prendre celui de l'Acuma et de payer l'Acuma. Ensuite, il va falloir une herse rotative. Alors, j'en ai vu plusieurs, mais il y en a une qui m'intéresse, c'est la Sulky. La suite qui m'intéresse plutôt pas mal. Donc, on va essayer avec celle-là. Et il me faut un décompacteur. 4 mètres. Moi, je vais partir sur celui-là. Très bien. Je sais qu'il fonctionne bien avec les outils portés à l'arrière. Donc, ça va partir sur ça. En quelle couleur décompacteur, on s'en fout. Le semoir, peut-être pour faire un ensemble tout bleu, mais tiens, hop, comme ça. Et je me suis fait tout livrer parce que je suis un mongol. Ah là 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 là, c'est pas possible, je n'ai pas initialisé le point de vente. Bon, c'est pas grave. Après, on a encore un peu d'argent. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir rembourser l'emprunt, enfin. Ça, c'est sûr et certain, on le rembourse. Je le rembourse pratiquement totalement. Comme ça, on est tranquille. Là, on sera tranquille avec ça, on n'en parle plus. Et voilà, c'est réglé. Bon. C'est pas qu'il prend énormément d'argent, mais quand même. Quand même. Donc du coup, voilà. On va aller rembourser cet emprunt. On va voir le matériel. Où est-ce que je me suis fait livrer? Ça va être compliqué d'atteler les compacteurs là. On va voir l'ensemble que ça fait sur cette aire, mais il va y avoir du poil. Donc vous m'excuserez pour ce côté roleplay, mais bon, c'est pas possible, j'avais le choix. Hop. On va faire comme ça. Hop. Hop, je suis enrhumé, alors ça m'énerve. Hop. On la baisse. Ah non, on appelle la herse. Ah. Et là, on va aller atteler le semoir à maïs. Hop. Je suis pas en création de champ parce que c'était fini là. C'était réglé. Alors. C'est un ensemble qui va rester tout le temps accroché. Mais je peux le mettre. Et évidemment, on peut pas. Je sais pas. Je peux mettre une prise de force. À mon avis, j'ai un problème avec la herse. Donc, 15 800, il me faudrait 2 200. Pour me rembourser le prix de la herse. On va essayer d'en acheter une autre. En 4 mètres, j'en ai pas énormément. À part la Pego. Et à mon avis, c'est la même. Ouais, c'est la même que la Sulky. En 4 mètres, on va être vite, vite, vite emmerdé. Celle-là avec un peu de chance. Non, non, il n'y a pas de relevage à l'arrière. Est-ce que celle-là, je sais possible. Non. Alors, sur l'Amazon, là, je pouvais. Il n'y a plus que 3 mètres. Donc, compliqué. Bon, alors c'est tout, je vais aller voir ce que j'ai en mode et on se retrouve tout de suite après. Bon, du coup j'ai peut-être trouvé. Alors ça c'est cool. Alors où est-ce que je vais me faire livrer? Oui, bah, ici. Oh, quoi, ça sera fait. Alors moi, oui, elle est là, impeccable. Donc celle-là normalement ça devrait le faire. Non, ça je m'en fous. Système d'attelage, je veux savoir. Ça il me le faut. Hop, c'est un peu plus cher.
Mais ça va, quoi. Je veux dire, je n'ai pas non plus dépassé parce que ça coûte. Hop, maintenant on appelle ça. Et voilà, tout simplement. Donc, hop. Ok, ça lève bien. Là, je peux relever. Alors, admettons que je déplie la machine. Ah, oui, l'équipement n'est pas déplié. Par contre, mon ref, c'est des traceurs ou c'est des antennes? Impeccable, ça marche bien. L'ensemble marche bien. Ça va être impeccable. Ça, pour les Smith-Malice, on va être au top. Alors, j'ai laissé ça. Je sais pas où on va le ranger, hein, mais on va le ranger. Ça, c'est sûr. Alors, oui, c'est vrai que c'est compliqué là du coup. D'ailleurs, il y a un truc que je dois revendre. Ça là. Hop. Parce qu'il est full buggé. On ne peut rien faire avec. Ou la birouette aussi. Hein. 60 balles, mais c'est toujours 60 balles. Hop. Et ouais. Toc. Toc. Bon, je mets ça là. Là, normalement, on devrait pas être trop mal. Est-ce que je passe? Oui, ça passe. Oui, large. Bon, il y a ce noir. Ouais. Alors, moi, j'ai baissé l'ensemble. Là, je vais déjà aller dételer le semoir. Oula, il est embarqué le semoir là. Je vais utiliser ça. Hop. On dételle. On a plus de force. Ah! C'est de l'abuse. Toc. Ah, voilà. Hop. Les compacteurs, on baisse. On enlève les flexibles. Non, il n'y en a même pas. Ok. Voilà. Impeccable. Des fois, il y en a sur les compacteurs. C'est pas bon. Bon, bref, ça, c'est fait. Ça reste là. Le troupeau ne s'est pas encore reproduit. Les titis sont toujours là. D'ailleurs, on va regarder un peu leur progression. Quand est-ce qu'ils grandissent? Puberté, mais pas 50%. Ah, il y en a qui sont un peu plus vieux. Donc les mâles iront en pâture et bah, les femelles repartiront du pot, hein, évidemment. Ici, fumier. On en a. J'ai pas repaillé les vaches. On les a pas repaillées encore. Faudrait qu'on le fasse, mais bon, on l'a pas fait encore. On le fera au prochain épisode, au début d'épisode, hein, tout simplement. Et là, j'ai des compacteurs. Faudrait qu'il dégage. Il y a rien à foutre ici. Hop. Et après, on rembourse l'emprunt pour être tranquille. Je vais ici. Et travail de sol. Ici, comme ça, s'il faut chercher des petits, tant pis, on voudra le décompacter. Alors. Maintenant, on rembourse l'emprunt. Et ça, 100 000 euros. Bon, petite technique. Clic et la barre pour supprimer. Et voilà. On n'a plus d'emprunt, ça y est, on est enfin tranquille avec ça. Je vais aller voir mes cultures, où est-ce qu'elles en sont. On va regarder niveau azote, comme ça on va pouvoir prévoir aussi s'il y aura d'autres épandages à faire. Il y aura d'autres épandages à faire, ça c'est sûr. L'azote, je sais pas si on a encore l'épandeur en grès. On est au mois de novembre, donc on a le temps. On a toujours l'épandeur en grès, donc ça c'est cool. Après, de toute façon, on pourra quoi qu'il arrive mettre du fumier ou quoi. Et j'ai pas enlevé le mode, mais bon, on verra ça au prochain épisode pour enlever la vente automatique du lait. Parce que bah, du coup, comme vous avez vu, hein, un peu plus tôt dans l'épisode, on arrive ici dans un labo transfo du lait en fromage. Donc ça va être top. Bref, on va se faire des couilles en or avec ça. Et après, on verra par la suite si on va investir dans autre chose. Bon, bref, moi sur ce, les potes, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et bah, n'hésite pas à t'abonner, comme d'habitude. Et puis, bah, mettre le petit like qui fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite de la carrière.